La fête de l'eau et de la lumière illumine habituellement le Tyrol du Sud dans les Alpes italiennes et notamment la vieille ville de Brixen-Bressanone à l'occasion de la Journée internationale de la lumière de l'UNESCO. Mais pour la deuxième fois, le festival a été annulé en raison du Covid. À la place, cette année, l'artiste Petra Poli a installé des mots positifs dans toute la ville. À un moment, je me suis dit qu'il devait aussi y avoir un aspect positif à cette crise et je suis parti à sa recherche. J'ai tout simplement entré le terme « changement » dans le moteur de recherche et j'ai trouvé des synonymes. Vous pouvez voir ces synonymes ici, mais seuls les aspects positifs du changement sont mis en lumière. 'Transformer' ou encore « la vie veut bouger », sur les places de la ville et dans une installation centrale, on trouve des mots positifs en 6 langues pour dire l'universalité et la variété du changement. Je crois vraiment que le secret de l'art est d'avoir un dialogue direct avec le spectateur. Il y a de multiples significations derrière les œuvres et donc chacun de nous peut comprendre et interpréter quelque chose de différent. Le festival prévoit une grande édition l'année prochaine avec plus d'une trentaine d'installations lumineuses dans la ville et ses environs.